Yo les gars, c'est Flo Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Avant qu'on l'ouvre, je vais juste vous dire comment j'ai réussi à la COP, etc. Donc tout simplement, sur l'application Adidas, voilà, il y a toujours des drops pour toutes les Yeezy qui sortent. Je me suis inscrit au tirage au sort et j'ai reçu directement dans la journée, je crois, un mail comme quoi ma participation était confirmée et du coup que la commande avait été prise. Le livreur, il vient de passer, donc voilà, on va direct passer au déballage. J'ai trop hâte. Voilà, on va pas attendre plus longtemps, on va directement sortir ce qui nous intéresse. Ah, j'ai trop hâte de la voir en vrai, à quoi elle ressemble. Ça, on jette. Voilà, la boîte de 380. Maintenant, vous connaissez, c'est une boîte de 380 normale, voilà, avec l'inscription Boost ici, comme d'habitude. Et là, vous avez les étiquettes. J'ai acheté cette paire pré-retail, c'est 250€. Pour les 380, c'est pas donné. Parce que la 380 Miss, la dernière qui est sortie, elle était à un prix de 330€. Donc c'est quand même 20€ plus cher que la dernière 380 qui est sortie. Mais je pense c'est à cause de la particularité de la semelle qui est glow in the dark. Sans plus attendre, ouvrir la boîte. Je suis très pressé de voir la paire, j'ai trop hâte de voir à quoi elle ressemble en vrai. Ok, je vais direct vous la montrer, elle est magnifique. Elle est toute blanche, donc vraiment je suis un peu surpris là, je viens de la voir en même temps que vous. Sur les photos je la voyais pas aussi blanche. Il y a un peu des reflets bleu menthe comme ça, je sais pas si vous verrez. Vraiment les mêmes coutures que sur les 380 Mist que vous pouvez voir. Je vais vite fait vous la présenter du coup. On a comme d'habitude les étiquettes, voilà, juste ici Adidas avec la taille écrit juste en dessous. Vous avez une autre étiquette. Je sais pas si vous verrez très bien avec la lumière. C'est vraiment blanc et argenté. Je sais pas si vous verrez bien, les coutures elles sont un peu bleu menthe comme ça. Et aussi la particularité sur les 380 maintenant, c'est que vous avez le lassage qui est fermé juste au-dessus. C'est un lassage où tu tires et ça serre comme ça automatiquement. Moi je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que ça rend mieux sur les 380. Voilà, un lassage comme ça. Pour ce qui est de la semelle, voilà, on a une semelle comme les autres 380, comme les 380 Alien et les 380 Mist. Vraiment stylé la semelle, voilà, vous pouvez voir, il y a vraiment des rayures comme ça. Je trouve ça fait un peu cerveau d'Alien comme ça, je trouve ça vraiment stylé. Vous pouvez voir aussi le boost qui est à l'intérieur, voilà, avec le signe Adidas juste ici. Elle pèse rien du tout. Franchement, en photo, je la trouvais pas aussi belle. Elle est super blanche, elle est super belle. La semelle, elle est un peu blanc cassé, je sais pas si vous verrez bien. Par rapport au upper, elle est un peu blanc cassé. Je trouve que ça rend vraiment vraiment bien. Je vais essayer de vous montrer vraiment la spécificité de cette paire. C'est vraiment la semelle en gros qui est glow in the dark. Je vais essayer de vous montrer ça en vidéo, après je vous ferai des plans. La semelle elle capte la lumière et après dans le noir elle réfléchit, elle est un peu vert bleu comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Plus à dire dessus, voilà, c'est une paire de 380 normale avec le nouveau lassage comme je vous l'ai dit avant. L'inscription ici maintenant qui est sur le devant du upper, voilà, alors qu'avant il était plus décoté sur les mises, je m'en rappelle il était décoté. Elle est vraiment ultra belle pour l'hiver, elle va clairement passé crème, je trouve elle est vraiment stylée, elle fait un peu côté hiver comme ça, un peu neige comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Mais bon, sachez qu'elle cote pas énormément, voilà, si vous voulez l'acheter en revente, je crois qu'elle cote au jour d'aujourd'hui à peut-être 200, 270, 280. Donc voilà, si vous voulez la prendre et que la couleur vous plaît énormément, n'hésitez pas. Franchement, je pense qu'elle va très vite augmenter de prix parce qu'elle est vraiment vraiment belle. J'avais même pas encore regardé, mais dans la boîte j'ai aussi trouvé une paire à mon avis de lacets où vous pouvez voir là les embouts, du coup ils sont pas collés, donc voilà, si vous jamais voulez mettre les lacets séparés vous pouvez aussi. Donc voilà, il y a une boîte de lacets qui est fournie avec maintenant avec toutes les paires de 380 qui ont le lassage uni, on va dire. Donc ça par exemple je trouve ça vraiment super que ils nous laissent le choix de choisir notre lassage. Moi franchement, personnellement, je préfère le lassage comme ça uni, je trouve ça plus stylé, je trouve ça va mieux avec la paire. Je trouve que c'est une super alternative avec la 380 Alien que je trouvais déjà super belle, mais là celle-là je pense je la trouve même plus belle que la Alien. Du coup voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dessus. Donc voilà, c'est une paire moi clairement que je suis très surpris. Sur les photos j'étais pas trop fan, mais là l'avoir vu en vrai, franchement je suis très content. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la paire. Dites-moi aussi si vous comptez vous la prendre, voilà, si vous êtes plutôt intéressé. Et je vais vous laisser du coup avec des plans portés de la paire. Et aussi je vais essayer de faire des plans avec la lumière et dans le noir pour voir si Glow in the Dark il marche. Merci d'avoir regardé la vidéo, sur ce je vous laisse, bonne soirée ou bonne journée. Et allez, ciao.